Les appâts naturels sont très appréciés par les gros brochets. En France, nous avons une conception de la pêche au mors posé qui est peu attirante, mais elle se révèle être très intéressante comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Les gros appâts ne font pas peur aux brochets, comme en témoigne ce gardon de 22 cm qui a été attaqué par un brochet, car ce ne sont pas les proies habituelles du brochet. J'ai connu cette technique en Irlande, ce qui est un must pour attraper les gros brochets. Une explication peut résider dans l'importante teneur en matière grasse de ces poissons qui représentent pour les carnassiers en cette saison un apport d'énergie. Pour la pêche au mors posé à l'aide d'un maquereau, nous allons utiliser un montage Steward avec tout d'abord un premier triple en taille numéro 6 et un deuxième triple en taille numéro 4. Les poissons d'eau salée ont également un avantage pour les pêcheurs. Ils sont disponibles dans sacs supermarchés, dans les rayons des surgelés ou poissonneries. Le pêcheur n'a plus de soucis avec le collecte de vifs, souvent fastidieuses en hiver. Autre atout, l'odeur intense des poissons de mer qui attire les brochets de loin. Voici comment présenter au brochet la queue d'un maquereau. Tout d'abord, il faut couper en deux le maquereau avec un couteau bien tranchant. Il convient de garder la queue du maquereau, mais je ne vous conseille pas de jeter sa tête, mais plutôt de vous en servir comme amorçage, ce qui sera toujours intéressant. C'est difficilement croyable, mais les brochets adorent les poissons de mer en hiver. Il pourra s'agir de maquereaux, d'harengs, d'éperlans qui feront de très bons appâts. Ce fait est particulièrement surprenant car ce ne sont pas les proies habituelles du brochet. Ensuite, on pique une pointe du triple dans le flanc du maquereau. Généralement, le brochet prend sa proie par le travers avant de la retourner pour l'avaler la tête en première. Ces techniques sont très efficaces en automne et en printemps, quand l'eau a un pH favorable à la diffusion des odeurs. L'hiver, brochets et autres compères sont réfugiés sur des postes bien spécifiques dans les eaux les plus chaudes et ils ne dépensent pas leur énergie à poursuivre un appât en mouvement rapide. La pêche au mors posé s'avère très intéressant avec un montage coulissant. Même si vous pourrez l'utiliser de la manière d'un carpiste à l'aide d'un clip plomb, ce qui sera aussi très intéressant pour éviter les risques d'emmêlage. Ensuite, il conviendra de prendre votre bas de ligne et de le passer la boucle dans les merillons afin de présenter un montage d'une manière optimale. Enfin, pour finir, on bloque la queue de l'appât avec un nœud simple, on fait 7 à 10 tours et on arrête le fil à coudre avec un ou deux nœuds simples. L'appât est prêt à l'emploi, ses arômes se diffusent très bien car on a coupé le poisson en deux.
En ce qui concerne les résultats liés à la pêche à l'aide d'un maquereau, il vous sera fort possible d'attraper de très gros brochets qui feront des photos souvenirs.